Pas moins de 40 enfants sur le circuit de BMX de l'ASFIP. Des riders en herbe de Moria, prêts à faire des étincelles sur leur vélo. Après quelques tours de chauffe et quelques chutes, la motivation reste intacte. Il y en a, eux, ils lâchent direct parce que moi, je veux pas lâcher. J'attends, je fais pause et j'attends jusqu'à la barre verte. Que là, je lâche. Au début, c'était difficile, mais ensuite, en faisant tout le temps les entraînements, ça a amélioré un peu. Aucun doute, succès garanti pour cette séance d'initiation au BMX par le biais du contrat de ville et la Fédération thaïsienne de cyclisme. Les enfants des quartiers prioritaires des 9 communes associées au projet ont pu donc s'exprimer dans cette discipline sportive et apprendre les règles de sécurité routière. C'est divisé en trois parties. Le cycle, il y a d'abord l'apprentissage du vélo, donc savoir gérer son vélo comme pour aller à l'école tout simplement. Après, il y a une partie cycle, une partie apprentissage, prévention routière, pardon, où là on fait une base de théorie avec la gendarmerie ou la DSP suivant le lieu où on va, la commune. Et ensuite, on fait un circuit d'initiation où on apprend les stops, à s'arrêter, etc. Et du coup, on finit ici là avec trois demi-journées sur l'apprentissage du BMX. Donc là, on est dans l'approche du sport directement. C'est d'occuper nos enfants pendant les vacances, surtout de les sensibiliser sur la prévention à vélo. Hein. Donc on leur dit de se chausser quand on va sur la route à vélo, qu'on met un pantalon, une chemise longue manche, enfin un tricot longue manche, et surtout avoir un casque. Et pour terminer en beauté, la commune de Moria organise ce week-end un événement populaire autour du vélo, la Fun Bike. Différentes activités au programme, 15 km de découverte autour du Mont Rotui, du BMX Freestyle et des ateliers de prévention routière. Pas moins d'une centaine de participants sont déjà inscrits pour le rendez-vous.